45 morceaux. 45 jours. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égard de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Oh, my name is Chilowan, me voici en action pour parler du Gabon. J'ai choisi de me mettre au front, sache que mon blason sous le son, mon bastion sous le Saint-Nom, et mes plans sont des rimes qui savent bien leur destination. Je viens pour parler de l'inégalité qu'ils ont bien légalisée, bien que notre société enseigne le droit du malaisé. Mais personne veut militer contre le propre qu'ils ont institutionnalisé. 1% de la population vit des perpétuels ripailles. Certains parmi le reste vivent encore sous des toits de paille. La Maillère est partie avec beaucoup de failles. Cette bataille est de taille, il faut qu'on se démaille. À qui ils ont vendu le pétrole pour nous obliger à vivre en camisole? Peut-être qu'ils l'ont vendu dans des fioles. Ne riez pas, voici ma question, elle n'est pas drôle. Ils ont soumis le pays. Dites-moi, je veux savoir à qui ils ont soumis le pays. Please, dites-le-moi. Ils ont soumis le pays. Je veux savoir à qui ils ont soumis le pays. Pour que je le reprenne et que je le donne à Christ. Que je le redonne à Christ. Pour qu'ils vivent en Christ, qu'ils se restaurent en Christ, qu'ils soient du royaume de Christ. Pour qu'ils vivent en Christ. Qui leur a dit qu'il fallait m'opprimer pour mieux me gouverner? Qui leur a dit qu'il fallait me ruiner pour mieux me contrôler? Qui leur a dit que sans droit de terre je pouvais pas vivre? De plus handicapé, comment ferais-je pour réussir? Il y a une loi inscrite dans mon cœur qui me dit que le juste prospère même en temps de malheur. Croyez-moi mes frères et sœurs, même en temps de disette l'Éternel me promet le bonheur. Mais c'est pas une raison pour que je ferme ma bouche, que je boude en chantant ces vers sous ma douche. Je ne suis pas un rebelle, mais un simple citoyen qui veut avoir une vie plus belle. J'ai peur, je veux des entreprises qui déclinent, plient leur matos se file parce qu'il manque des mains habiles. Qui ont de l'aptitude, mais l'attitude sectaire de nos habitudes empêche le pays de prendre de l'altitude. Ils ont soumis le pays. Je voudrais savoir à qui ils ont soumis le pays. Je voudrais savoir à qui ils ont soumis le pays. Je voudrais savoir à qui ils ont soumis le pays. Pour que je le reprenne et que je le donne à Christ. Pour que je le donne à Christ. Que je le soumette à Christ. Afin qu'il soit en Christ. Pour qu'il illumine en Christ. Qu'il reçoive la paix de Christ. Qu'il reçoive la joie de Christ. Qu'il reçoive l'amour de Christ. Qu'il soit du royaume.